bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors ce matin, on se retrouve tous les deux parce que papa est au travail, Tinolini sont au collège. Et nous, on a une petite idée de vidéo. En fait, depuis hier, on recherche sur internet, enfin sur le bon coin, la moto la moins chère qui est à côté de chez nous, pas très loin, parce que voilà, on va pas non plus aller dans toute la France. Mais on s'est donné un défi avec Cody, acheter la moto aujourd'hui. La moins chère du bon coin aujourd'hui. Est-ce qu'on en a trouvé une? Oui. On en a trouvé une. Alors du coup, alors c'était pas compliqué de toute façon, il n'y en avait pas beaucoup à côté de chez nous. Donc on a trouvé, je vais vous mettre une photo aussi, mais on a trouvé celle-là. Alors attends, hop. Donc on a trié par prix. On a pris la moins chère et on a trouvé voilà, celle-là. Celle-là. Donc du coup, on avait, bien. Ouais, elle a l'air plutôt pas mal. Alors il y en avait, bah, voilà, ça va de tout à rien hein, les prix. Donc là, Dougie. Donc là, du coup, elle était à 150 euros. Ouais. On a négocié à 100 euros. Donc, bah c'est parti, on va la chercher. Ouais. Ce sera la surprise sportive de l'Ennis midi. Go. Allez, let's go. Non, viens, on y va. Ça et puis on y est. Attends, vas-y, on claque des mains. 3. Et on sera dans la voiture. 1. Oh, ça a marché, on est arrivé. Oh, ça a marché, on est dans la voiture. Mais t'as des pouvoirs magiques. Ouais. Bah là, on est sur la route, hein. Allez, on y est. Bon, alors c'est parti, on va chercher la moto. Ouais. En espérant qu'elle marche. Ah ouais, imagine, elle marche pas. Parce que bon, c'est bien beau d'acheter le moins cher, mais en fait, on va quand même demander voir s'il y a des marques, quoi. Ouais, bah moi, je vais l'essayer là-bas. Tu vas l'essayer? Ouais. Tu as pris ton casque? Oui. Là. Donc on croise les doigts pour qu'elle démarre parce que je l'ai dit, en plus j'ai dit direct, j'ai dit oui je la prends. On a dit on fait une vidéo, on achète la moins chère du bon coin. Ouais. Donc j'ai dit oui je la prends, mais j'espère que tu vas pouvoir rouler avec quoi. Bah j'espère. S'il faut la réparer, je suis pas super douée en mécanique moto. Ouais. Et toi? Moi j'ai mon permis de moto. Hein. Ah ouais d'accord, ok. Ouais. Bon du coup, on se retrouve là-bas? Ouais. Ok. Alors regardez, on a récupéré la moto. La belle. T'es content, Cody? Ouais, trop content. Bon, alors, la moto. Bon, ça va. On va essayer de la démarrer. Alors par contre, le truc, c'est que bon, déjà, il y a des carénages cassés partout. Hein. Forcément, bon, en même temps, voilà, hein, c'est le premier prix. Hein. Alors, il n'y a pas de garde-boue avant. Et le truc un peu rigolo, pour l'éteindre, le bouton il est cassé, donc il faut connecter ça sur du fer. Voilà, il faut faire ça pour l'éteindre. Bon, on va voir si elle roule. Alors, on doit ouvrir le réservoir à essence. Voilà, là c'est bon, il est ouvert. On met le starter. Alors, essaye de démarrer. Saisis peut-être. Oh! Peut-être pas le ralenti là. Ah oui, c'est bon. Bon, ah merde, alors ça fait plus de bruit que ça avant. Ça fume, mais ça marche. Doucement. Ça fume, hein. Et alors, attends, je vais te montrer comment faut faire pour l'éteindre, parce que ça, c'est rigolo. Ça fait un bruit de ferraille, un peu.
Alors, on va voir ce que te dit l'enfant. Alors, regarde, pour éteindre. Là, il faut mettre ça. Vas-y, Cody, éteins. Vas-y. Non, le truc là. Voilà. Le bouton magique. Bon, on va montrer ça à Tino Lili après. Mais bon, t'en penses quoi, Cody? Pour le premier prix, bon coin. C'est vraiment trop bien. On va montrer ça à Tino Lenny après. Bon, j'ai récupéré Tino Lenny, sauf que même pas le temps de filmer, puisqu'il rentre dans la, à la barrière et il voit directement la moto. Ouais. Donc même pas le temps, voilà, ils sont trop surexcités. Vous avez réagi comment quand vous avez vu la moto? Trop bien. Voilà, trop surexcité. Oui, vas-y, tire. Alors je sais pas s'il faut remettre le starter ou pas. Non. Ah bah alors voilà, il faut... Par contre, tu vois, elle tient pas très bien le ralenti, donc vite, vas-y, accélère. Non. Alors il va peut-être falloir remettre le starter, je sais pas. Attends, je vais... Vas-y, réessaye une fois et sinon je mets le starter. Bon, on va mettre le starter. Bon, voilà, hein, pour le prix, ça, des fois, ça bug un peu, hein. Bon. Voilà, bon bah ils vont tous essayer. Trop content en rentrant de l'école, hein. Heureusement que vous mangez pas à la cantine. Ouais. Bon, il y a un petit bruit de ferraille, hein. C'est une petite moto, voilà. Hein. C'est la moins chère du bon coin, quoi. Mais bon, ils sont contents. Et pourquoi la moto la moins chère? Bah oui. Alors par contre, le truc un peu drôle, c'est les carénages cassés partout, le bouton qui marche pas pour éteindre, mais bon, c'est des petits détails, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais n'importe quoi. Attends, laisse-le refaire un tour. Bon, t'en penses quoi? Pour la moto la moins chère du bon coin. Ah bah ça vaut le coup, hein. Tu l'as payé combien? Bah 100. Non. Elle était à 150, j'ai négocié à 100. Ouais, il fait un peu n'importe quoi. Il fait quoi? Je sais pas. Non, mais il fait demi-tour là, Ouais, j'ai testé, ouais. Non, t'inquiète. Allez, on rentre. Bon alors, les garçons, vous pensez quoi de cette moto la moins chère du bon coin? Elle est trop bien. Voilà, en fait, en vrai, il y a des, bon, le petit carénage cassé, il n'y a pas de garde-boue avant, faut la mettre sur le truc pour l'éteindre, mais sinon, elle avance plutôt bien. Oui, voilà. Bon. Voilà, on entend un petit bruit de ferraille quand on accélère et ça pue. Mais bon, franchement, pour 100 balles, ça va. Ouais. Bon, alors dites-nous en commentaire si vous avez des idées d'autres achats qu'on pourrait faire le moins cher sur le bon coin, et comme ça on verra ce qu'on fera. Ouais. Allez, en attendant, on vous fait tous des gros bisous.